Salut tout le monde, c'est Nana, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de notre Let's Play sur Neptunia. La dernière fois, on avait récupéré Noir, on était allé chez Sean, on avait dîné là-bas, on avait foutu le bordel. Hein? Ah oui, il y a eu l'histoire de l'expo, et il nous a donné une arme à tester. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai équipée. Arma test model, ouais c'est ça, je l'ai équipé. Ok, donc voilà, donc bon bah on va pas perdre plus de temps et on va continuer. Tada, j'ai acheté des lunettes. Du moment que j'ai ceci, personne ne pourra me reconnaître. Bon, maintenant, essayons de faire un essai. Alors, miroir, miroir. Pas mal. En fait, je pense que elles vont bien. Je devrais être capable de cacher mon identité avec ceci. Je n'ai jamais vraiment essayé de lunettes jusqu'à maintenant, mais je pense que je peux m'en sortir. Ah. J'ai ce « je peux faire n'importe quoi look on, sur moi », ouais. C'est plutôt cool. Je devrais les mettre à chaque fois que je dois travailler à un bureau ou quelque chose dans le genre. Ah c'est vrai, je devrais le montrer à Neptune. Ah, pourquoi est-ce que je deviens cozy? Comment traduire cozy? Ami-ami, ouais. Ouais, je pense que ça va bien, ami-ami. Ah, si. Ça ne va pas, devenir amical avec Neptune. Noir, allons manger du pudding. Ah, je t'ai surprise. Oh, désolé, désolé. Tu n'as pas entendu ce que j'étais en train de dire, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh rien, ne. C'est rien, j'étais juste en train de marmonner quelque chose d'embarrassant à moi-même. Ah mais maintenant je veux savoir. Quelle sorte de choses embarrassantes Noir aurait-elle bien pu dire? Peut-être qu'elle est en train de chanter une chanson qu'elle a elle-même écrite. Ouh, ça aurait été embarrassant, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Qui serait assez stupide pour faire un truc pareil? Ah, de toute manière, tu es venu ici pour quelque chose, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, tiens. Qu'est-ce que c'est? Du pudding, c'est vraiment délicieux. Oui, je sais, c'est évident, mais... Bah,
J'ai réussi à avoir du pudding de chien, donc je voulais le partager avec toi. Non, pourquoi est-ce que tu ne le manges pas toute seule? Mais je veux le manger avec Noir. Allez. Je ne suis pas assez gentil pour passer mon précieux temps avec toi. Hein. Je vais le répéter. Mange ton pudding toute seule. Maintenant, je sors. Où est-ce que tu vas, Noir? Je vais juste faire une promenade. J'ai envie d'être seul. Pourquoi est-ce que tu me suis? Je pensais avoir dit que je voulais être seul. Mais c'est dangereux d'y aller seul. Pourquoi? Voilà, je suis pas. Salut les filles. Aussi amical comme toujours, hein. Ne faites pas trop de bruit quand même, hein. Bah, Neptune, regarde, on s'est fait engueuler à cause de toi. Désolé, Sean, c'est juste que avoir Noir fait beaucoup de bruit. Comment ça, c'est moi? En parlant de ça, Sean, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Ah, j'avais une réunion avec les autres usines pour la préparation de l'exposition. Il y a beaucoup d'artisans très compétents travaillant dans les usines locales. Le plan est simple. Créer un magnifique objet qui nous permettra de rencontrer la déesse Blackheart. J'ai même réussi à convaincre certaines personnes qui ont perdu leur travail de venir nous aider. Ça sera ce sera une guerre totale dans ce cas. L'expo, cette fois-ci, tourne autour du futur de la station, après tout. C'est pour ça que je compte sur vous. Je m'attends au meilleur. Tu peux toujours compter sur nous, n'est-ce pas, Noir? Faut que j'arrête d'agiter les bras lorsque je parle, hein, vous pouvez pas le voir. On sent tout l'enthousiasme dans ta voix, Neptune. Donc, Eddie. Ah, même si c'est malheureux. Commençons à travailler pour l'avenir. Yeah. S'il te plaît, dis pas ça tout haut. Ah, Nepnet n'est pas vraiment capable de s'arrêter de parler.
Bon, c'est littéralement écrit qu'elle n'a pas de fermeture éclair sur sa bouche, mais je sais pas, ça sonne mal. Désolé pour l'attente, ça a pris un petit moment pour que je me prépare. Voilà. Noir, pourquoi tu portes des lunettes? Ah, tu veux dire ceci? Enamorn. Je vois pas de traduction, c'est... Laissez-moi chercher vite fait. Pas que je prenne trop longtemps, sinon je suis obligé de couper ça, ça va être... Ok, donc passionné, amoureux, donc... Je suis sûr que tu pourrais tomber amoureux de toi-même avec ces lunettes. Mais bien sûr que non, qui ferait une chose si embarrassante? Si elle me fout embarrassante, ouais c'est ça. Aïe aïe, stop! Tawamurelu nara ato ni shite, shigoto ni mukau wa yo. Ok ok, stop, stop, stop. Vous pourrez continuer après qu'on aura fait le travail. Allez, on y va. Oui, papa, Ifi. Heureux de vous rencontrer. Nous vous attendions. Si quand sa phrase en lisant, ça va pas le faire. Donc vous êtes le groupe qui va comment dire, qui va répondre à notre offre. Oui, et vous êtes notre client Ganache, je suppose. En effet, mon nom est Ganache et je travaille à la compagnie Avenir. Et voici notre représentant, le président Singe. Donc ces deux-là sont les... official, ouais, les représentants, les ceux qui sont en haut de l'échelle d'avenir, quoi. J'arrive pas à dire ça. Ouais, en fait, c'est les représentants aussi, ça marche, non? Donc ces deux-là sont les deux représentants d'avenir. C'est rare d'obtenir du travail de personnes de votre rang. Ou c'est quelque chose qui est vraiment important? Non. Ou alors c'est nous qui sommes si importants. Vous êtes un comique, vous. Arrêtez les blabla inutiles. Je n'ai pas de temps à gâcher. Oh. Veuillez m'excuser. Très bien, voici ce que je vais vous demander. Eh ben, vas-y, on est tout ouïe. Cette partie est bientôt la création de notre implant de construction. Nous planifions de construire une nouvelle usine quelque part dans cette zone. Cependant, nous avons quelques problèmes avec un certain monstre dans cette zone. Je vois, donc vous avez besoin que nous exterminions ce monstre.
私と社長はこの辺りの視察があるので、それが終わるまでにモンスターの討伐をしていただきたいんです。Exactement. Nous voulons inspecter la zone, donc nous avons besoin que celle-ci soit nettoyée. 討伐さえできれば、手段は貴様らに任せる。Du moment que cet endroit est nettoyé, je ne pourrai... comment dire ça ? En gros, il s'en fout en fait. C'est-à-dire que... Je n'ai que faire de ce que vous allez faire. Oh, c'est tout ! C'est beaucoup plus simple que ce que je ne pensais.Oh, je pensais qu'on allait devoir faire du travail du bureau et tout le truc là. Ah, je suis aussi soulagé hein, parce que je suis pas vraiment très doué avec le travail minutieux. Ah, c'est vrai que tu n'as pas l'air d'être très doué avec ça, compa.Avant, je travaillais à placer des belladonna. Je sais pas s'il y a une traduction à belladonna. Ok, une plante empoisonnée, belladone. Donc, elle travaillait dans un travail où elle plaçait des belladones, qui est une plante...empoisonné sur de la nourriture, mais j'étais mauvaise même à ça. Ah oui, je sais, genre j'avais vécu la même chose. Attends une seconde, c'était quel genre de job ça? Parce que placer des plantes empoisonnées, en fait c'est empoisonner de la nourriture. Et travailler un boulot, il fallait empoisonner volontairement de la nourriture, et même ça elle était pas douée.なんて珍しいわね。あと一応言っとくけど、あの花はタンポポじゃなくて食用菊だからね。Pour que vous sachiez, les belladones sont létales, elles sont mortelles. C'était juste probablement des orchidées comestibles. 説明はこれで以上です。くれぐれもミスをして、例のモンスターを我々が視察している方に逃がさないよう気をつけてください。Veuillez le faire, veuillez le faire rapidement, s'il vous plaît. Chacho, ano kurokami no shoujo desu ga. Président, à propos de cette fille aux cheveux noirs. Omae mo kizuite ita ka. Tu l'as remarqué toi aussi? Hai. Cosplay ni shite wa ano kata ni nisugite iru kato. Oui, pour un cosplay.C'était vraiment très similaire. Trop similaire. Elle a disparu depuis quelques jours, n'est-ce pas? Oui. Il est possible que ce soit elle. Qu'est-ce qu'on devrait faire?どうするも何も本人かどうかわからんことにはどうしようもない。Rien. Nous ne pouvons rien faire sans preuve évidente. ただ、目だけは離すな。Mais, gardez un œil sur elle. Et voilà, un nouveau donjon, oui!Et on est à 20 minutes de vidéo. Ah, ça passe vite. Donc on va lire les petits messages, puis je pense que la vidéo va s'arrêter là. Amamiya Lint. C'est un plan pour une nouvelle arme. Oh. Ceci va vous montrer qu'est-ce que vous devriez utiliser. Donc un plan pour une épée bâtard. Ok.
Ah, monsieur Toichi. Donc ça c'est un plan pour changer les ennemis dans un donjon. Et là on a le chat qui nous donne pour changer les items. Voilà, toujours la même chose. Et ici on a Shako. Shakeko plutôt. Je pensais que j'ai vu une déesse d'un autre continent passé. Elle avait l'air étrangement similaire. Mais elle portait des lunettes, donc ça doit être quelqu'un d'autre. Petit gag. Et bah donc je sens que cet épisode va s'arrêter là, mais là je suis bien parti, j'en sens que je vais enchaîner au moins un deuxième épisode. Donc sur ce, pour vous ça sera dans une semaine, mais pour moi ce sera tout de suite. À la prochaine !